Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'EcoFlow. On va parler d'un produit que j'avais vu, que j'avais un petit peu mis de côté parce que j'attendais pas mal d'informations et j'ai eu la chance cette semaine de voir les ingénieurs, les techniciens de chez EcoFlow en personne pour la présentation, l'installation d'un nouveau produit. Je vous en parlerai un petit peu même si j'ai pas trop le droit et que je l'ai un petit peu teasé dans la dernière vidéo. On va parler du kit énergie dans un instant, mais juste avant, je voulais vous rappeler qu'avec EcoFlow, on est en ce moment dans les promotions de printemps et avec mon code TESTRIVIERA8 qui expire aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour de la sortie, eh bien vous avez 8% de réduction. Après, on repassera sur le code habituel TESTRIVIERA5 qui vous donnera 5% de réduction. Voilà, je pense que c'est quand même important de vous permettre de pouvoir faire des économies. Et si vous cherchez d'ailleurs à faire des économies en termes d'électricité, en termes d'énergie, en termes aussi de transport avec la voiture électrique, vous êtes intéressé par tous ces économies, système, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, puisqu'ici on teste énormément d'écosystèmes qui vous permettent donc de faire beaucoup d'économies. Et au moment où j'enregistre, on est exactement 47 300 abonnés. Merci à vous. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite de ces promotions EcoFlow et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est cette vente flash. Une vente flash qui va se terminer dans 16 heures au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on a donc une belle promotion sur l'écosystème autour de la Delta Pro. On a une Delta Pro plus un panneau solaire de 400 watts. Alors je vous dis tout le temps, les tarifs de ces produits sont tout le temps en baisse. Je vous rappelle, quand la Delta Pro est sortie, elle valait aux alentours de 4000 euros. Et donc là, on est en promo. Delta Pro plus panneau solaire 400 watts. Au tarif de 3399 euros, plus, vous voyez là, offert un PowerStream qui coûtait à sa sortie 369 euros, qui est à 299 euros. Donc ça, c'est de la vraie vente flash, de la vraie super promo. Par-dessus ça, on peut encore rajouter les 8% de promotion avec mon code. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Et juste à côté, vous voyez, économiser 699 euros. Alors ça, c'est vraiment pas mal si vous avez déjà du photovoltaïque. On a une Delta Pro plus une batterie supplémentaire de Delta Pro. Donc le tarif déjà, il est assez canon quand on connaît la qualité de la Delta Pro, sa connectivité et tout ça. Donc 4599 euros pour une Delta Pro plus une batterie supplémentaire. Ce qui veut dire donc 7,2 kWh de stockage, plus encore un Power Stream offert. On va voir après, j'ai fait un petit panier, vous allez voir le prix final, mais c'est vraiment canon. Ensuite, on a donc les offres vedettes. Je vous avais fait voir la dernière fois l'offre avec la Delta Pro plus le Power Stream. Je sais que suite à ma dernière vidéo, vous avez été énormément nombreux à passer commande de ce combo. Et j'espère que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. En tout cas, je pense que c'est vraiment une super bonne idée. Ensuite, on a d'autres combos avec la Delta 2 Max, par exemple. Ça, c'est ce que j'ai chez moi, plus le Power Stream. On est à 2237 euros. Encore pareil, on peut enlever ma promotion. De toute façon, tous les tarifs que vous voyez là, vous pouvez enlever 8% ou alors 5% si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment pas mal. On a tout ça, les produits vedettes. On a les produits économie réelle. Donc ça, c'est ce que l'on a vu dans la dernière vidéo. La batterie de 2 kWh, elle est là avec le Power Stream, 1429 euros au lieu de 2000 quasiment 50 euros. Moins 8%, toujours pareil. Et on va avoir donc après pas mal de combos qui existent aussi avec de la batterie plus du panneau solaire, plus le Power Stream qui est vraiment boosté, bombardé en ce moment chez EcoFlow. Mais d'ailleurs, c'est un produit qui marche vraiment très très bien, qui a été boosté à 800 watts en sortie. Et on a aussi les batteries pour être en activité de plein air, notamment la petite ici, la petite River 2 que j'ai tout le temps avec moi, quand je fais un tournage. C'est super pratique d'avoir ce type de batterie. Alors avoir un power bank, c'est bien, mais là au moins avoir une batterie avec une sortie, avec une prise normale, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à leur site pour avoir toutes les promotions de printemps et aussi les promotions sur les produits reconditionnés. Un Power Stream à 369 euros, normalement, on enlève quasiment 25 euros. Ça, c'est le kit avec la Delta Pro plus le Power Stream offert. Donc, on y enlève avec mon code encore 223,92 €. La petite batterie River 2, on lui enlève quasiment 20 euros. Le pack avec la Delta 2 Max et le Power Stream, on enlève quasiment 180 euros. Imaginez, la vente flash, on lui enlève plus de 270 euros. C'est juste fou. Et pareil, là, je pense que c'est le combo le plus intéressant. Moi, si je devais me lancer, je me lancerais avec ça. Donc, la Delta Pro plus sa batterie supplémentaire, plus le Power Stream inclus, on lui enlève encore 367 euros.
Donc c'est de vraies économies sur un prix qui a déjà été baissé, plus une promo, plus encore du 8%. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Et il y a aussi le Smart Home Panel qui est en belle réduction avec 400 euros d'économie. Et j'aime bien vous faire voir ça. C'est mon application EcoFlow que j'ai émulée sur l'ordinateur. Donc on a ici le PowerStream. Et moi, ce que j'utilise, c'est vrai, de façon le plus intensive, c'est le Smart Home Panel. Donc il est là. Aujourd'hui, il fait pas beau. Hier, il a pas fait beau non plus. Donc je suis sur batterie pour pas avoir à prendre dans le réseau. Et donc, on voit mes deux Delta Pro avec à chaque fois chaîné une batterie supplémentaire qui sont là. Donc, la 1, donc on a 7 kWh, il reste encore 30% de batterie. Et la 2, pareil, 7 kWh, il reste encore 39% de batterie. Et vous voyez que comme il ne fait pas beau, qu'il ne fait pas chaud, j'ai ma pompe à chaleur qui a été mise sur le circuit vert. Donc, ça veut dire que c'est la Delta Pro qui alimente parce qu'on a une toute petite production photovoltaïque qui alimente le reste de la maison à 70 watts. Et bon, voilà, là, j'ai la pompe à chaleur qui maintenant s'est mise en veille puisqu'il fait bon dans la pièce. Sinon, mon chauffage est alimenté par les Delta Pro actuellement. Donc, à mon avis, je vais pouvoir tenir jusqu'à demain matin. Et demain matin, comme ils annoncent grand ciel bleu, je vais pouvoir recharger à nouveau mes 14 kWh de batterie EcoFlow. Alors, depuis que je l'ai vu, ce kit énergie, je me suis dit vraiment, il faut quand même que je leur en parle, il faut que je sorte la vidéo que j'avais vue. Mais comme je vous ai dit, eh bien, j'étais en attente, je voulais pas vous dire n'importe quoi parce que le kit énergie, c'est un kit de batterie assez compact pour être hors réseau, soit en étant nomade, soit en étant stationnaire. Donc, on va pouvoir alimenter à la fois un van, un camping-car ou une tiny house par exemple, ou en tout cas un endroit qui est hors réseau. Et je sais que vous êtes très nombreux dans ma communauté à être intéressés par ces kits, ces possibilités d'être hors réseau. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même que je vous en parle. Alors, c'est un kit qui est en promotion aussi et qui a été victime de son succès puisque la version 5 kWh, 10 kWh, 2 kWh et la 4 kWh sont actuellement épuisées en rupture de stock. Vous pouvez quand même remplir un formulaire pour avoir plus d'informations. Comme ça, ils vous diront dès que ça sera nouveau disponible. Mais on va aller sur la version ici qui est encore dispo. C'est la version 15 kWh. Et du coup, ça fait écho, on va dire, à la dernière vidéo qu'on a vue avec ces batteries-là qui sont maintenant utilisés avec le PowerStream. Donc, ils les ont rendus compatibles. Et vous voyez que, donc là, on est sur des batteries 5 kWh. Les bruits de couloir disent que la 5 kWh devrait être bientôt compatible et arriver avec aussi le PowerStream. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. La seule chose que je ne suis pas en mesure de vous dire, c'est est-ce que l'on va pouvoir faire comme ça, c'est-à-dire en empiler plusieurs. Jusqu'à présent, on en met une. J'adorerais que l'on soit capable de pouvoir en empiler plusieurs. Mais j'en suis pas certain parce que quand on regarde ici la façon dont c'est fait, on voit bien que sur ce hub qui est à la fois micro-onduleur et connectique général, eh bien on a 1, 2 et 3 entrées pour les batteries. Donc on ne peut pas les relier physiquement les unes aux autres. Donc j'ai bien peur, sauf modification de cette batterie, que l'on ne puisse pas le faire avec le PowerStream. Ça serait assez dommage. Je compte quand même sur EcoFlow pour avoir une autre solution. Le kit énergie EcoFlow restera dans sa version actuelle spécifique pour du hors réseau. Mais ce qui arrive pour être connecté au réseau, les amis, c'est vraiment super génial. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler plus que ça. Je ne peux pas vous dire où je l'ai vu, mais en tout cas, ça fonctionne pour de vrai. J'ai vu l'application, j'ai vu l'installation, puisqu'il y avait les gens d'EcoFlow qui sont venus spécialement pour cette install. Et ça fonctionne vraiment super, mais sachez que dès que je pourrai vous en parler, je vous sortirai la vidéo de présentation de ce produit, les amis. Ça, il n'y a aucun problème. Mais donc, voilà, le kit énergie, c'est quelque chose qui s'est voulu simple et compact, qui puisse être mis dans une tiny house, dans un van, dans un camping-car, dans une caravane. On peut charger de 4 manières différentes, avec des panneaux solaires, avec le smart generator, on peut le charger avec une borne de recharge, et on peut aussi le charger avec l'alternateur de la voiture ou du van. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est en 48 volts. Je ne suis pas spécialiste, franchement, des installations en van, mais dans la vidéo, vous allez voir des gens qui vivent dans des vans, et vous allez voir leur retour d'expérience et voir ce qu'ils en pensent. Il y a quelque chose qui m'interpelle, n'étant pas spécialiste dans le caravaning, c'est ça. Regardez cette vidéo où on voit d'un côté une installation traditionnelle et de l'autre côté la version EcoFlow. Bah, sans être spécialiste, bah, je me dis qu'effectivement, c'est pensé pour être beaucoup plus simple à installer et surtout beaucoup plus compact. Parce que quand on a un van, une caravane, eh bien, chaque centimètre cube compte. Et donc là, c'est vraiment pensé pour ça. Donc, vous me direz en partie commentaire, en tout cas, si ça vous intéresse. En tout cas, on voit ici, ça rentre dans quelque chose de 70 cm de large et d'un peu moins 1 mètre de hauteur.
Et donc ça, c'est la version caravaning, toujours compatible avec l'application EcoFlow, ça c'est dingue. Et on a la version ici pour le hors-réseau, vie hors-réseau. Donc là, on est dans une maison, une tiny house, peu importe, un petit chalet à la montagne. Et on va être autonome en énergie. La puissance de sortie est de 3600 watts, 3,6 kW. Je me dis que pour une tiny house, c'est probablement largement suffisant, également quand on fait du camping, caravanine, etc. Une remise de 1155 € si on est intéressé par le kit d'énergie 15 kWh. Donc encore une fois, le code TESRIVIERA8, eh bien je pense que ça vaut la peine de l'utiliser si on est intéressé en ce moment par des produits EcoFlow. Je vous propose maintenant de partir en direction de l'Allemagne et de regarder à quoi ça ressemble le kit énergie installé dans un van. Pas oublié la carte de la chambre. Allez, let's go, j'ai super hâte. Ah, il y a un Skoda Enyaq qui charge. Nous on prend un truc thermique. Oh, ça se passe là-dedans dans ce parc et on peut voir déjà des trucs EcoFlow. Il y a des Delta, Delta Mini, des River. Ouh, ça a l'air assez intéressant. Bon, avant de rentrer, c'est déjà pas mal, il y a une borne là. Type 2. Eh oui. C'est thermique ça. Et c'est garé sur la place pour les voitures électriques. Oh. Mec de lynx quoi. Je les vois toutes. Hello, bonjour. Bonjour. Et qui êtes-vous? Présentez-vous. Ah, je suis Xavier de la planète de Caro. Waouh. Nous parcourons l'Europe dans, malheureusement, un camping-car à moteur thermique pour l'instant. Ok, à moteur thermique, je ne l'en parle plus. Et on a pu parler, heureusement, de l'avenir des moteurs sur camping-car. C'était une question qui m'intéressait beaucoup. Et grâce à Jérémy, eh ben, je suis rassuré. Peut-être qu'on pourra encore faire du camping-car dans les futures années grâce à l'électrique. Caro. Bonjour. Caro de la planète de Caro. Oui. Ça va? Salut. Ben oui, ça va bien. Oui. Le track. Ah bon? Un petit peu de track. Ouais, toujours. Pourquoi? Parce que c'est notre premier événement. Et qu'elle va démarrer un live. Et oui. Oh. Vous êtes de la Côte d'Azur. Exactement. C'est vrai. C'est ça. On est aussi de la Côte d'Azur. Les sudistes. C'est un truc de fou. On a oublié le bob. On a oublié le bob. En Allemagne. Alors qu'on est voisins. C'est chouette. On ne sait pas vraiment ce qu'on va voir. Enfin, on a eu un peu un teasing. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour vous, pour le van life? Par rapport aux produits qu'on va avoir. Alors, on savait qu'EcoFlow faisait des systèmes très très faciles, même pour le Kidam, la personne qui ne connaît pas trop. Bah, tu as besoin de plein de différents éléments pour constituer ton circuit. Ouais. Ouais. Alors que c'est vrai qu'avec les batteries EcoFlow, là, on en a une. Là, actuellement, on utilise d'ailleurs la Delta Mini, qui nous sauve la vie dans de nombreuses circonstances, comme par exemple en ce moment, il fait très chaud. On doit trouver de l'ombre avec le camping-car. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on sort les panneaux solaires. Nous, on se met à l'ombre, on met les panneaux solaires au soleil, on branche la batterie dessus et du coup, on a l'électricité tout le temps. Ou quand il pleut, à l'inversement, et bien c'est pareil. Ce qui est impossible à faire avec nos 450 watts de panneaux qu'on a sur le toit, on est obligé de rester au soleil pour pouvoir écramer à l'intérieur. Donc là, c'est plus de confort et de liberté en fait. Exactement. Le côté stationnaire et le côté van life se rejoignent aujourd'hui pour l'événement EcoFlow. On va voir ce qui se passe. Bon, les amis, sans mentir, je pense que l'event va être fou, l'event en lui-même, et les infos qu'on va avoir, ça va être dingue. Devant, on a un van là-bas, aménagé, on va y voir tout de suite. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Sur le pan de mur. Donc ça c'est l'ancien système quand on veut avoir du photovoltaïque. C'est hyper compliqué, il y a plein de boîtes partout. Et attention avec EcoFlow, pan. On a un boîtier ici. Et là c'est des batteries 5 kWh. 5 et 5, 10. Avec un écran. Et ça c'est des disjoncteurs ça. On voit le 10A, 10A, 20A. Et voilà la boîte, le cerveau de toute cette installation. Ça c'est pour le photovoltaïque, ça c'est batterie 1, batterie 2, batterie 3. Waouh, j'ai hâte d'en savoir plus. Je suis ultra hypé les amis, ça va être un best-seller mondial. Ouais, les amis, il y a un système qui est en fonction là, ça c'est des panneaux EcoFlow 400 watts. Et il est dans le van, il y a une batterie. La question c'est est-ce que ça fait du bruit ou pas? C'est là-dedans. Pas de bruit. Ok, donc là c'est pas bruyant du tout. Je vais essayer de vous faire voir comment ça fonctionne. Donc on a ici deux batteries NFP, c'est des 2 kWh. On est à 92% dans le total avec les deux batteries et on demande de charger à 100% ici. Toutes les informations concernant les batteries, donc une à 89, une à 95. Et le cerveau de tout ça, ça va être cette boîte ici. Moi j'étais un petit peu soucieux de la ventilation se fait là quand vous allez mettre dans un van. Normalement c'est censé être ici fermé mais permettre quand même la ventilation, sinon ça risque d'être un petit peu bruyant. Mais les batteries en elles-mêmes elles font pas de bruit. Moi je vais aller là-dedans, je vais demander la recharge
charging level 100%. Ils ont simulé le réseau ici avec la Delta Pro qui est là. Vous pourrez charger le van et les batteries via cette prise. J'appuie là, j'allume la prise AC. Ah, ça y est, on va commencer à recharger, donc on charge avec le réseau. Pour l'instant, c'est celle du dessus qui a pris un petit peu d'avance. On est à 95%, là à 89%. Après, ça va être celle-là qui va venir rattraper pour qu'on arrive à 100% en même moment. Celle-là qui charge, celle-là charge moins. On sera à 100% dans une quinzaine de minutes. Et oui, ça prend pas beaucoup de place, on est peut-être à une trentaine de centimètres d'épaisseur. Ça, c'est de la publicité subliminale. C'est beau, c'est ta chaîne que tu reçois. C'est ma chaîne. C'est ma chaîne et c'est sa marque, c'est ma de vêtements. Marque de vêtements. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé de l'événement EcoFlow. Écoute, je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça va faire un carton. Je suis très content que ça arrive maintenant. Pour moi, ce qui est intelligent, c'est de pouvoir connecter l'alternateur de mon véhicule directement au système. Ça va me permettre de charger mes batteries et du coup, ça va charger beaucoup plus vite. Pour moi, c'est nickel. Tu aurais besoin de combien de capacité en tout, en batterie? Tu monterais à 2, 4, 6, ce que tu voudrais. Actuellement, j'ai 7,2 kg. Okay. Dans le mien. Donc 7,2 kg pour moi ce serait l'idéal. J'arrive à faire tourner ma clim, tout. Là, dans la mesure où maintenant on va pouvoir charger avec l'alternateur, je pense que 7,2 kg c'est un peu surévalué. Peut-être que je pourrais me contenter d'un peu moins. Oui, 3,5 kW. Ouais. En puissance, c'est suffisant. Le produit il répond à ce qu'on avait imaginé. Et à ma droite, pareil. Je pense que c'est l'avenir, pas seulement pour les camping-cars, mais aussi pour les habitations normales. Je pense que beaucoup de gens devraient s'intéresser parce que ça va être très utile bientôt. Surtout avec le prix de l'énergie qui augmente là, pouvoir la produire, la stocker, la consommer plus tard, c'est, ça, c'est le truc. C'est ça. Et surtout de pouvoir, nous dans les camping-cars, c'est vrai que le coût est un peu disproportionné, mais si on arrive à l'utiliser dans l'habitation, ben on rentabilise un peu, je pense, enfin rentabiliser c'est un grand mot, mais je pense que s'il y a une double utilité, c'est... Là tu serais plus sur une option sur le camping-car ou plus chez toi là? Moi je serais plus sur le camping-car en ayant une possibilité de l'utiliser occasionnellement chez moi, si le besoin s'en faisait sentir avec l'actualité, avec les problèmes, ou si éventuellement l'énergie devenait trop chère. C'est vrai que de pouvoir produire de l'énergie, de pouvoir la transporter et puis l'utiliser dans son habitation, c'est génial. Et on voilà. Est d'accord alors? On est d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Rappelle-nous le nom de ta chaîne? Nomad into the Wild. Ok, voilà. Super. Merci d'être passé en tout cas. Merci à toi. J'accueille du monde là pour parler de ce produit EcoFlow. Et on a de la chance parce qu'en fait, il y a une bonne communauté francophone qui avait été invitée. Ouais, c'est vrai. Alors bonjour, présentez-vous rapidement. Alors nous, c'est les Tortues Cartour. On est en train de construire un camion poids lourd 4x4. Waouh, voilà. D'où l'intérêt d'être là pour justement découvrir ce produit. Ça vous a intéressé, vous, le produit EcoFlow là? Ouais, parce que justement, on est dans la construction du camion et on est en projet de le rendre autonome. Ok. Et donc, je trouvais le produit vraiment très intéressant dans sa facilité d'installation. Mmh. C'est compliqué, c'est ce qu'on a pu voir derrière là. Sinon, oui, il faut plein de boîtes différentes, plein de, c'est ça, c'est de choses. Et là, on n'est pas vraiment une plug and play, mais là, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qui est compliqué justement dans un véhicule, c'est qu'il faut adapter la section des câbles en fonction de la distance. Mmh. Étant donné que c'est un camion poids lourd, donc on a quand même machine à laver, un frigo qui tourne sur le 220, enfin voilà, on a quand même, c'est une petite maison quand même. Oui. Donc nous, on serait plus sur le 5. Quoi. Ça va nous compacter dans le camion. Prendre moins de place. Oui, on se lève quand même beaucoup, beaucoup de place, oui. Quand tu vois l'installation derrière, c'est quand même énorme. Quoi. C'est-à-dire que quand tu prépares ton tableau électrique dans un camion, il faut quand même prévoir toute cette place et ce câblage qui va avec. Et là, c'est vrai que dans un minimum d'espace, t'as quasiment tout. Quoi. Merci. Pas moi qui vous ai invité, mais merci d'être venu quand même. Non, puis c'est vrai que l'organisation EcoFlow était quand même bien. Ouais. Faut reconnaître. C'était très sympa. Voilà les amis pour cette présentation du kit énergie. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. Je suis un petit peu désolé de ne pas vous l'avoir sorti avant, mais c'est vrai que je voulais pas mal vous influencer dans la mesure où je ne savais pas si ça allait être cantonné à du hors réseau ou si ça serait compatible avec le Smart Home Panel. Donc maintenant que je sais que c'est sûr, ça restera hors réseau, eh bien c'est pour ça que je vous ai sorti cette vidéo. Et puis en même temps, vous avez vu, on a une super bonne remise actuellement avec les promotions de printemps, plus la promotion sur le kit énergie. Donc je pense que c'était le bon moment de vous en parler. Et puis ça colle pas mal avec l'actualité, avec la nouvelle batterie, cette batterie qui arrive maintenant dans le Power Stream. L'info qui n'est pas encore officielle, mais selon quoi la batterie 5 kWh devrait arriver aussi avec le Power Stream. D'un côté, on a le Power Stream, d'un côté, on a ce kit énergie pour le hors réseau. Puis donc là, on aura cette nouvelle installation. On a un vrai éventail, un vrai panel de solutions avec les solutions EcoFlow. Donc c'est
vraiment super intéressant. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo, laissez des commentaires. Enfin, vous savez tout ce qu'il faut faire pour pouvoir booster ces vidéos sur l'énergie. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis donc, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Allez, salut.